On a Kill la Girl, Tiffée tendue et on a X-Moon. Il manque donc la deuxième pastille W, mais it's coming. Il y a un favori ce soir, je vais demander au boss, hein, on the road. Il y a un favori ce soir? Je crois qu'il s'appelle François Pierrot, si je dis pas de conneries. Oh là. Façon posée, vous vous démerdez avec ça. Le mec est chaud. Il a raison, hein, c'est le seul qui connaît déjà la structure, tout ça, il sait comment gagner. Hein. C'est vrai. C'est ça. Ouais. Je vous non, bah, y a préviens, pas... j'ai mes gris-gris. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai mes gris-gris. Là. C'est quoi? Ah, c'est quoi ce petit gris-gris? Pour ah, poser ça okay. sur les cartes. Ah oui. C'est ça. Voilà. Okay. Ce sont les petits gris-gris. Oui, elle a raison. Alors d'ailleurs, il faut que je vire, c'est pas Julianne Pape, c'est Kill la Girl, il faut bien que je me dise. Rosalie, François Pirou, Mustapha Kanit, vous avez tous le bon nom, parfait. Juste, hop, c'est pour les viewers. Je vous rappelle juste, il va falloir que je le fasse en anglais aussi après, mais qu'on ne voit pas vos cartes, mais on les verra après sur YouTube. Mousse, I repeat in English, we won't see your cards, it's a normal game. But after that, I will have the replayer. The Winamax replayer, and they will have a great video on YouTube. So I will see all your cards, okay? Okay, okay. Okay. I'm bluffing you all. Et si ça on a commencé. S'intéresse au site draw, je pense qu'on peut voir que X-Moon a la pire place, avec On Zero et Lasagnam à sa gauche. Et je vous laisse bonne chance. Bonne chance, X-Moon. Mais moi, je connais pas les pseudos là. C'est qui Fall Girl? Fall Girl, c'est Rosalie. Luxus, okay. C'est moi. On the road et Lasagnam, c'est François et Mustapha. Kill la Girl, c'est Juliane. Ah, c'est Lasagnam, Mustapha. Hein. Ouais. Ok, je sais. Allô, c'est Lasagnam aussi. J4, du coup, c'est X-Moon et Tiff et Tondus, c'est Tiff et Tondus. On est bon. Ok. Do you speak French, Mustapha? Bluff, un petit peu. J'ai compris un petit peu. Le okay. Premier 3 bêtes. Ah, ça premier 3 bêtes. Est-ce qu'on n'a pas le premier call 4 bêtes ici? Eh non. Kill la girl, c'est très agressif. Hein. Mustapha, squeeze. Non, Mustapha, no. Paf. Ouais. Jouer tight, jouer all night. On va avoir le premier overbet. Wow. Mm-hmm. Mais moi je lâche pas. Allez, payez 7 et 8. Attends, mange un potatoes et je paye. Un autre overbet du coup. Ah ouais. C'est pas cher. Ah, le mec, il me met dans un bourbier tout de suite. Là. Ah. Rien de triste si jamais ça se passe mal. Hein. Au pire, il me restera 100. Ah, il a 100 euros sur son compte ou quoi? Non, je les ai pas, moi. En vrai, je les ai pas. Faut que je dépose. On peut parler Tu peux me poser des questions si tu veux. Allez! Ah, On the road, là, il a compris qu'il fallait pas me lâcher. Il a compris, On the road. Il y a Fall Girl qui a compris aussi que Luxus, il allait donner. Et pas pour. Rosalie, t'es pas deck de voir ton mec se faire déchirer comme ça là? Non. En vrai, c'est un bon bluff avec Damitov, j'aime bien moi. Bon, ouais. Juste, oh, mais juste ça a bien open. Marché. Juste que je dois pas open, mais bon. Il y a Roger qui joue là. Faut que je regarde ça. Contre qui? Il joue contre Kopfer, c'est un gaucher pas super connu.
Regardez, mais à la fin, c'est Nadal hein, qui gagne. Je pense qu'il le prend en bluff là, ce spot, notre ami. Je vois pas sa caméra, elle est où? Le petit tel là? Il est où? Ouais. Hop. Il est sérieux. Hein. Il sait pas trop regarder. C'est moins qu'un quart, ça. Putain, t'as deux rois. Ah, Baron, il a dit je supporte 4 bêtes et ensuite Antoine. Oh, ah ouais. T'as raison, en fait, du coup. Putain, il devrait d'abord me supporter, moi. On the wood. On the wood. On the wood again, again. It open. On the road. On the road. Si t'as 6 de trèfle, t'es bien. Oh. C'est payé. Ah, c'était toi qui l'avais les trèfles. Oh, dur. Aïe. J'aime bien Cindy. Si j'ai un 6 de trèfle, je suis good. En effet. Allez, du coup, on s'est occupé d'On the Road. Maintenant, maintenant Apollo Terre. Tu l'avais, ta revanche. Oula. T'as direct, là, il te redonne une main, le site. Ah ouais, c'est abusé. La chatte, quoi. Toute sa vie. C'est abusé, oh, c'est abusé le site. Faut changer l'algo, là. En plus, je vais pas pouvoir fold. Pas non plus. Si tu payes, je suis obligé encore plus. Bon, ils ont dit qu'il n'y avait pas de règles, hein, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Allez, je respecte. Tu fais ton dus qui avait flat 2 as, là, il est content. Ah, c'est l'extase. Du coup, t'as pas 2 as alors? Bah, si, on peut tous les deux avoir les as, non? Oh là là, wow, il avait vraiment flat le monstre. Magnifique. Je suis obligé de fold. T'as 3 de 9. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oh là là, j'ai... Oh là là, c'était fourré. C'était fourré, Hans Zorodin. J'avais valet 8 de pique. Valet 8 de pique, c'était... Je peux dire que je foldais pas. Putain, et c'est lui qui reprend le chip lead, quoi, Hans Zorodin. Oh là là. Ah, je t'ai bien respecté, hein. Bon, roi dame de cœur. Quoi? J'entends que tu parles de moi là. 4 bêtes. 4 bêtes, oui. Tu sais qui tu squeezes là? Oui, chérie. Oui, chérie. Et la coupe est utile. Bah, si, là. Je respecte. Respect. Voilà. Et ouais. Une décision, c'est le J4, J4. Bah, tu raises Antoine, du coup, je me dis normalement. Normalement, il me raise pas light. Normalement. Du coup, si je te raise, ça veut dire que je suis pas light normalement. Waouh! Le New York back. Ils aiment bien les New York back raise, hein, chez Club. Ouais, ils aiment bien. New York back raise. Grave. Ah, regarde, est-ce que tu aimes ça, Exmoon? Oh non! Oh, vas-y, une scène! Une scène! C'est bien, ouais. Non, mais t'as trop fait la maline. Je suis désolé, Rosalie, t'as trop fait la maline. Ah ouais. Bon, c'est normal avec deux rois de faire la maline. Non, 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 c'est mérité. Non, mais... C'est mérité. Ah, non, non, c'est mérité. Attends. Tu peux pas faire la maline. Sur ma tête, Steven, ou pas?
Non, y a pas de... Laissez-la tranquille, bordel. Non, il n'y a pas de bounty sur ta tête, ma belle. Désolé. Bon, bah, je vais rentrer. Hein. Ah, tu n'es pas fini. Ah, et là, elle se blanchit. Magnifique. C'est ça. Ouais. Ok. Le gros size. Ok, ok. Pas de problème. Paye pas Paulson. Bah ok. Hein. Il a cru que j'allais me laisser faire comme ça. Bon, allez, d'accord. Là, SB, il a pas mal de mains suitées, là. Attention, Zoroda. Non, on donne pas d'indice. Mais si, justement, il y a le droit. Sinon, ça laisse des gros blancs. J'arrive pas à voir le chat. Je suis vraiment nul. J'arrive pas à voir le chat sur Twitch. Bah, c'est... tu tapes juste Club Poker TV. Hein. Je suis dessus, mais je vois pas le chat. C'est... tu dois peut-être cliquer sur un onglet pour l'ouvrir. Ouais, ouais. Il y a un truc, tu peux le masquer, le démasquer le chat. C'est là où je vois que je vieillis, quoi. Oh un se avec la 2-13 Non, non, j'ai une dame. Attention, la vie. J'ai une dame. Qu'est-ce que tu fais flush, tu me jam comme ça. Mais tu vas call tes flush. T'as des pépés avec un trèfle, mais tu vas les call aussi. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Sinon, t'as full, tu call aussi. Oh, t'as une petite flush, 8-9 suit, un truc comme ça. 9 suit, sachant que tout à l'heure, t'as pas allé pour sin value. C'est chiant, si t'as... tu peux avoir As-Dame aussi. J'ai quand même envie de call, hein. Une dame, 3-1, et me retourner flush. C'est chaud, hein, au Pyrix Moon, hein. Il faut montrer. Hein. Allez, go, on va y aller. 5 et 4. Ah, je l'avais pas eu celle-là. En effet. En effet. Non, j'aurais. Ouais, j'ai plus sur la chance. Hein. Sur le turn. La bonne école. Dès le turn. Ah, j'aurais pu fold. Tu le mettais pas sur 5 et 4. Hein. J'avais pas le 5 et 4 dans le range. Tu sais 8 et 9, 8 et. Tout ça, François, c'est à cause de Paul. Hein, parce que si Paul, il fold pré-flop. Eh ben, il colle pas, il colle pas. Eh oui, s'il colle pas pré-flop. C'est à cause de Paul, tout ça. C'est vrai. Désolé d'ailleurs. Je t'en veux pas. I can see his face, you know, he has an ace, I can see. Sure. Mm. Good luck. Oh non. Le 8. Et le valet de carreau. Un classique, hein. T'as dit oh non. Voilà. Oh non. Direct doublé. Faut que je dise oh non. La prochaine fois. Dire oh non. Ah ouais. Faut que je dise oh non, je retiens. Je pouvais pas attendre une meilleure main là. Allez. Est-ce qu'il non, j'ai hésité là. J'ai cru que t'allais mettre les doigts sur la caméra et les doigts sur la caméra, c'est que. Généralement, ouais, c'est que c'est des chiffres. Du coup, c'est pour moi. Ouais, voilà. Du coup, c'est mon spot. Merci, Polo. Avec plaisir. Je me suis un peu commis sur On the Road, mais c'est pas grave. Il va venir, c'est fun. Ça qui me faisait chier en fait. Mais ouais, ils sont chiants ces short stacks. Ouais. Là, 276 blind. Cette bête qui se prépare. Oh là là. Bam. Ah, là. Oui. C'est un diable à cette table. Vous arrêtez 3 bêtes et 4 bêtes sur moi. J'avoue, on ne te respecte pas trop. Tu nous as dit que le croupier ne t'aimait pas, donc c'est contre toi qu'on a envie de jouer. Hein. Non, parce que, attention, je suis armé. Hein. Je suis armé. C'est un petit peu armé du salut, mais je suis armé.
Tu peux lui faire tapis alors, il est en bluff là. C'est armé du salut. Attends, c'est quelle main ça, j'ai jamais entendu. Oh. Et moi, bien sûr, je connais pas trop le bouton fold, du coup je vais payer. On va aller voir un flop quoi. C'est fruité. Ça, c'est décoloré. Il y a des backdoors. Il y a des possibilités d'amélioration sur la turn. C'est pas cher. C'est payé. Oula, c'est pas une bonne carte, ça. En apparence, en tout cas. En apparence, comme tu dis. Et du coup, je crois que je suis encore obligé d'aller voir une river là, contre ce size. Ah là 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 là. J'entends déjà la boîte. Je crois que je suis obligé d'aller au showdown hein, pour ce size. Je crois que t'es commit. Hein. Ouais, je suis commit, exactement. Ah, ça va oh oh on a fait Hollywood durant tout le coup. Oh là. Bien joué. J'avais une paire en plus. Il va finir par y croire. Mais c'est clair. Ça fait 10 euros. Merci à vous. Demain, il va t'envoyer un MP. Ouais, s'il te plaît, Talidia. Bon, je t'envoie 10 euros dans un quart d'heure. Coup, Steven. Oula, all-in. Oula. Est-ce que vous pensez que Lasagna met une range de call fold? Wow. Si OR avait fold. Ah, ouais, franchement, je passe, oui. Je passe. Non. Oh. Non. Oh. 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 Allez là. Oh. Allez là. Oh, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Deux sixes. I have sixes, guys. I swear on God. Six, six. Non. Quotes on the flop, I swear. Ah, six, six. Parca puttana. Parca puttana, c'est... Porca puttana is Italian, not so good, but it's fine. But it's fine. Dès que ça va rouvrir, ouais, je vais faire un petit passage ou deux là-bas. Parce que ça me manque un peu le live quand même. Et ouais, toucher des cartes, des jetons, ça manque. Il ouais. sa poker face de paire de neuf. Du coup, c'est bon. Hop, je suis en value. Et là. Il va te payer 4 et 5, tu vas pas comprendre. À tout à l'heure, ça a gagné 4 et 5. Mais... Ah, il avait la poker face de la main. C'était pas favori. Hein. Bon. Oh, tu prends toutes les mauvaises décisions. Et il trouve le moyen de faire le valet quand même. Pas une de bonne. Ouais, il fait le valet quand même. Il fait le valet quand même, c'est fou ça. Ouais. Il fallait une deuxième erreur. Les pros de Winamax, au revoir. Hein. il revient. Je suis sur la table. Yes, yes, let's go. This is what I'm talking about. Ouais. Polo qui s'est taïtifié. To win every hand, guys. Ouais. And to win the hand you play. Allez, on va aller voir une turn. J'ai qui les petits oiseaux là? C'est Polo, il habite à côté d'un Jardiland. Le pire, c'est que je crois que c'est moi. Oui, oui, c'est vraiment moi. Petit Zozo, c'est Jardiland, c'est ça que t'as dit? Oui, il habite à côté d'un Jardiland. Je sais pas, les petits bruits d'oiseaux comme ça, ça me fait toujours penser à Jardiland quand tu vas dans la... Ok. Ah, mais le pot est gros, j'avais pas vu, hein. Open, cool, cool. Bon, c'est parti pour la récap. Oh, il a fait le spot. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu Tiff. Je suis parti voir les oiseaux et puis qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je regarde. C'est bon. C'est fait.
Il y a Tiff et Tondus qui est passé au caissier. C'est ça. Deuxième ticket est passé. Ah ouais, valet plus pique. Pique tout court. Pique tout court. Oh là là là. C'est trop. C'est vrai, on n'est pas nés sous la même étoile. Attention chérie, t'as la tête de celle qui varie style. Voilà, t'avais la tête de celle qui varie style, je le savais. Solide. Et du coup, bonne chance. Allez là. Allez, un as. Ah, t'as dit allez là, c'est perdu normalement. Oh là. Elle perd pas un coup, hein. C'est ça. Oula. Oula, oula. Ah, les doigts sur la cam. Non. Non, non. Je respecte la Zaniam. Bye. Moi aussi. Respect. 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 T'es illimité. Hein. François qui te demande s'il va prendre le spot de quiz. S'il le prend, j'allais dire, ça va être all-in. Ah ouais. Sorry, Mustapha, you're not too bored with all those French people talking around you in French? Non, non, ce n'est pas un problème. J'apprends un petit peu de français avec mon ami. C'est bon. Good. Fair enough. Faut chaud, Enzo. Encore la paire de neuf. Oh là là. Encore. Jack. Allez les neuf. Allez, c'est bien. Mais c'est Enzo qui rince ce soir. C'est lui qui paye le prize. Il faut. C'est moi qui rince. Il a trop gagné déjà la semaine dernière. Non mon ribaille, non mon ribaille, fini. Je reviens. Bientôt je vais ribailler, je serai dernier tellement tout le monde a des jetons en plus. Non, c'est surtout que là avec des jetons en 3, plus. T'en as mis 3 et si tu fais deuxième, t'es même pas even. C'est vrai. C'est ça. Obligé de gagner du coup. C'est qu'il y a beaucoup de pros pendant les dinner break des gros tournois, ils font il y en a, ils mangent pas en fait, ils vont faire du sport, ils mangent très peu parce que la digestion après c'est une catastrophe quoi. En fait, clairement, tu veux pas manger énormément. Tu veux pas manger, c'est ton premier 3 bêtes, ça non? Ça s'appelle un 3 bêtes. Faut que je te regarde pour avoir une. Ça s'appelle un 3 bêtes, je vais te racheter. Dans tous les sens. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle un 4 bêtes, ça je crois. Oh, bah, vu la position, c'est sûr, elle faut le 100%. Elle recule de la chaise, c'est bon. Les bras en l'air. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'abandon. C'est l'abandon. Normalement, t'as un deuxième ticket 100 euros si tu veux. Ouais, je sais que j'ai un deuxième ticket 100 euros, mais j'ai pas envie de jouer avec cette mentalité. Allez, joue. Let's gamble. Allez, joue. Let's gamble. Je sais que si je joue sérieux. Allez, salut. Allez, joue. Je suis large derrière. Allez, la dame. Allez, la dame, allez. Il veut pas avoir le temps de rien trier en plus, c'est magnifique. Qui c'est qui a dit faut salir on the road là? J'ai entendu quelqu'un. Ah, j'ai aucun soutien. C'est jamais fini. Mais de mémoire, François, t'étais revenu de loin sur le dernier challenge. De mémoire, non pas... C'est possible, je m'en souviens. Non. Puis. Non, j'ai l'impression que ça avait été. Tu as m'aidé à rien trier, c'est ça? Non, j'ai démarré au challenge d'avant. Ouais, non, je crois que le challenge d'avant, ça avait été. Ça s'était bien passé. C'était fou. Non. Début de la remontada. Quel chat il a. Le début de la remontada. C'est abusé. Tapis toutes les mains, genre la chatte. Il chatte tous les coups depuis le début. Non, mais c'est trop. Le mec, il a 5 blindes, il trouve 2 valets, quoi. Mine de rien, attendez, j'ai un 3. Ouais, c'est ça. Allez, il faut rien trier. Hein. Plus que 2 minutes 20. Donc, tu comptes me mettre à tapis, voilà. 2 minutes. Allez,
Allez, je te rends quelques-uns de tes jetons. La dernière fois, je sais pas. Il gagne tous les coups. Ça fait des 5. Il gagne tous les coups. Allez, début de l'aventada. Ouais, tu vas pas avoir besoin de réentrer. Ah là, j'ai quasi stack de départ. Hein. Ah non, j'ai 3 carrés. Ouais. Il avait 7 et 8. Ah oui, bah oui, voilà, c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Mais si, mais je suis obligé de mettre la pression ici. Mais bah ouais, non, mais t'as bien joué. Ouais, oui, il a défendu 20 deep, il a pas trop... T'as très bien joué. Ouais. Quoi, t'as un crayon, il prend ses notes à la main en même temps, Paul. Ah ouais, ouais, ouais. Regarde-le, à l'ancienne, à l'ancienne, il a son carnet à côté. Je suis okay, démasqué. Ouais. Fall girl, 7, 8 de pique, ok. J'ai mon carnet à côté. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, il y a Lasagnam qui avait faute avec Longsamblin. Lasagnam, c'est ça. Non, mais arrête, je ne vais pas buzz dans ce spot quand même. Lasagnam, Aces. Oh oh, Ximoun aussi qui se réveille. Ah, il y a la surette du gars qui va fold. Oh. J'entends plus rien ou tout le monde est concentré? Non, tout le monde est concentré. Okay. François, j'ai autant de jetons que toi, mais j'ai mis 3 fois moins d'argent. On en reparle. Il ne faut pas que je dise ça parce que je vais buzz dans 30 minutes sinon. Can you do it? Wow, you really have it, huh? You really have it. You have ace king. I know what you have ace king. You have ace king face. C'est vrai que quelqu'un qui dit ça, il a souvent à se croire. Ouais, ça rigole plus du côté de... Oh là là, lui a dit you can do it. Le coca, ouais, le soutien du vraiment, coca. Je suis vraiment en PLS dans ce spot avec... C'est quoi ça? Je suis tight. All night, very tight. You said after re-entries, now you aggro. After re-entry, super tight. Je suis obligée d'y aller, je pense. Allez, good luck. Hein. Allez, good luck. Allez. Elle a dit ça, elle a 2 rois. Ah, je suis obligé quand même. Hein. Ok, la gueule. Ouais, la gueule. Oh, elle monte le gris-gris, elle va y aller. Elle monte le gris-gris, elle va y aller. Oh là là, c'est le pot du tournoi. On zéro qui va mine cash avec ses. Allez. Attention, t'as plus de time bank, je crois, par contre. Hein. Regarde ton time bank, je crois que t'en as plus trop. Hein. Oh putain. Ouais, t'en as plus derrière. Ouais. Je crois que t'as plus de time bank, ouais. Ah, c'est foldé. Ok, c'est pas mal. Reviens d'ailleurs, clique sur revenir, Julianne d'ailleurs, ouais, pour la prochaine main. Ah, j'ai foldé au même moment où ça m'a mis. Oh là là. Ah, vas-y. Oh là là. T'avais quoi, Julianne? As-roi de carreau. C'est dur. Je pense que je peux pas folder de valet ici, c'est un six-fold, franchement. Guys, avec 100 euros, a lot of fun. It was okay. 300, je ne sais pas. 300, je ne sais pas. Nathan, Rosalie. Chérie, va falloir récupérer l'argent. Hein. T'inquiète pas, c'est prévu. C'est prévu, ok. C'est prévu. Là, je ne vais pas le donner à lui, mais c'est prévu. Honnêtement, j'étais pas serein, hein, Cole. Et ouais, ça, même le lasagnam qui flatte. C'est plus lasagnam. J'ai vu la réaction de Rosalie, elle n'avait pas de roi plus. Ou alors c'était vraiment, elle en faisait trop. Je ne savais pas justement si elle était en train de faire de l'actine. Elle aurait pu, mais elle, ça ne donnait pas l'impression en tout cas. Ouais, non, ou alors elle jouait très bien. Mais... Oh putain. Oh putain. Non, mais de 10, j'aurais peut-être pu trouver un fold. Il y a All In and Call là. C'était X-Moon qui est derrière. Non, il n'y a pas encore All In and Call. Le bloc aussi. Ah oui, pardon, il n'y a pas encore All In and Call. Attends, je calcule si j'ai la cote. Arrête, j'ai le cœur qui bat à 12 000. Oh l'enfoiré. Ah, mais il se gave, X-Moon, il se gave. Je calcule si j'ai la cote. Moi, je mise tout sur la chance. Je veux, je passe quand je veux. Je clique et hop. Paul, du coup, t'as combien de fois mon stack? Le mec est chaud. T'as dit quoi déjà? Il a 10 fois ton stack. J'ai mis 100 euros, moi. C'est vrai. Vous êtes proche de l'argent, là? Ouais, c'est bientôt la bulle. Je me sens pas très proche de l'argent. Non, au moins, on a fait la TF. Hein. Au moins, je pourrais dire que j'étais en TF. C'est vrai. Ça va, Moon, de dame, de roi, de as, tout va bien? Oh, encore deux as. Le wine.
Oh, elle a pas supporté de boost. Oh, encore deux as. Oh, non, mais c'était pas mal. Oh, incroyable. Oh, putain, la lecture. C'est fou, quoi. Oh, la lecture. Encore deux. Ah, il avait flat pour que je le jamme derrière. Regarde-le. Ok, bon, messieurs, dames, on va arrêter. Hein. Je vais faire mon article de fin tout de suite. Oui, merci à tous d'être venus. Il y a comme une deuxième place en jeu. Bonne chance à vous. Ça va, je rigole. Hey, congratulations, Mustafa. But you couldn't do anything against this guy. You didn't know I that. I speak with me in English. I did with French all night. It wasn't oh, tu veux qu'on parle français? Viens, on parle français, Mustafa, avec plaisir. I tried my best, okay? I tried avec my plaisir. Best. I wanted... Non, pardon, je voulais être cool avec toi, mais parlons français. C'était bien, Mousse? Tu oui, t'es amusé? Très bien, merci beaucoup mon frère, très bien. Ouais. Ouais. Même putain, j'ai envie de parler en anglais du coup. Même si le poker oui. C'était pas parfait, bon. C'est son rôle là. On to the next one, I guess. On to the next one. On to the next one. C'est à moi? Same for me, guys. It was a lot of fun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mousse. Bonne chance. À très bientôt, Mousse. Merci beaucoup, Mousse. Hope we see you again. Thank you. Bye bye. Bye. Merci. Bye. Ciao a tutti. Ciao. Il est parfait cet italien. Merci ciao beaucoup, Mousse. Ciao tutti. Grazie mille. Ciao tutti. Brocoli. Brocoli. J'allais le dire. Et ça marche évidemment pour les deux autres sortants. Bravo à Rosalie, bravo à Paul Guichard. Merci. Si vous voulez rester avec nous, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez partir, vous êtes également. Vous avez le droit. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Je veux rester. Vous êtes autorisés. C'est pas vous êtes les bienvenus, c'est vous êtes autorisés. Mais c'était très cool de vous avoir en tout cas. Voilà. Je suis très content de vous avoir eu. Mais attends, c'est encore. Au revoir. Ciao, ciao. Je parle à ceux ciao. Qui ont disparu, hein, évidemment. Paul. Ouais, je vais vous quitter bientôt. Bisous, Mousse. Bisous, Paul. Okay. Bab. It was a pleasure. Reste. It was a pleasure. On est parti. Merci d'être venu hein, et bravo pour le team Winamax. Là, c'est top. Et personne dit bravo à Paul Guichard pour avoir fait deuxième de l'EPT il y a 10 ans. Putain. Bravo. Il y a 9 ans. Il y a franchement. 9 ans. Ah, merci. Merci. Merci, François. 2012. Heureusement que toi, t'es là pour. Moi, j'étais là. Moi, je regardais à l'époque avec ses cheveux hyper longs. Avec ce... J'en souviens, là, c'était un autre Paul. Ouais, c'est ça. C'était le chatard. Ouais, ça date. On avait la même main. Ouais, je pensais être devant. Ah, bah, je me doute. Hein. Je m'attendais à que tu chauffes. J'ai hésité. Je pense que je peux avoir plusieurs sizes. Et... Bon, allez, les gars, j'y vais. Bonne soirée à toi. Ciao, les gars. Merci, c'était cool. Bisous, Paul. Ciao, merci ciao. Beaucoup. Gros bisous. Merci à vous. Ciao. À bientôt sur le live. Ouais. Ouais. Inch'Allah. Serrure, quoi. Et ouais, exactement. Et bonne chance. Bonne chance pour inciter à piller. Bah, je vois qu'elle réfléchit. Et là, on se blinde, elle réfléchit. Elle n'a pas les mains derrière la tête aussi, tu vois. Normalement, c'est un tel de force, hein. Ah. Oh, 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 allez, 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 allez. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, t'es pas si fort que ça. On the road, tu sais ce qu'il te reste à faire. Comme ça, moi, je m'y cache. Il demande, et tu vois que je baisse la main d'après. Bravo. VGG qui la girl. Merci. Et maintenant, on peut le dire à tout le monde. Hein. Toi, tu es là sans avoir presque rien fait puisque tu étais qualifié sur le tirage au sort. Bravo à toi. Quasiment sans avoir rien fait. Enfin, ouais, si, tu as quand même fait le challenge. J'ai enduré 8 challenges quand même. Voilà, quand même. Mais ouais. Et un grand merci à la commu qui allez, X-Moon. Qui a voté pour moi. Regarde le X-Moon. Ah non. Le 4. Allez. Oh, le 4. Arrêtez d'appeler le 4. Voilà les débuts de la remontada. Regardez qui appellent tous le 4 alors que j'ai mis 3 entrées. J'ai participé au prize pool. J'ai été cool. Tu comprends, tu fais ton du l'appel. Tu fais ton du c'est moi, on faisait item. Si tu bustais, c'est normal. Je sais bien. C'est plus Rosalie qui a pas appelé une seule carte pour moi depuis le début. Oh. Merci Rosalie. Merci. Je me ferai pardonner, François, c'est pour moi. On verra. <ouais. rire> Tu vas voir, la prochaine main, elle va encore plus s'appeler pour l'autre. Non. Je suis dernier. Regarde-le qui fait semblant de le voir que maintenant. Regarde-le, mais incroyable. Allez, regarde-le. C'est bon, c'est tapis, j'en ai marre. Oh là là. Place, ah, oui, oh, allez, bouge plus. Eh, dame. Oui. Allez, je vais. Non, putain, j'aurais pu gagner un peu d'argent, bordel.
Non, t'aurais pu en perdre au moins. T'aurais pu en perdre au moins. C'est vrai. C'est quoi déjà le prize pool? 200 euros quand même, le min cash de Bain. Et X-Moon, c'est qui du coup le petit personnage à droite de ta caméra du coup? Il y a une autre petite photo à droite. Elle voit tout. Hein. Oui. À droite de ma caméra? Ouais, à droite de ta caméra. Il y a une petite image là. C'est un boxeur sur le mur? Oui, à ta gauche. Ouais, on dirait un boxeur. Moi, de là, je dirais Mohamed Ali. Mohamed Ali, ouais, c'est Mohamed Ali. Je dirais un boxeur qui met quelqu'un au KO. Mohamed Ali, c'est Mohamed Ali. Je sais pas si tu vas bien la voir. Ah ouais, c'est Mohamed Ali, ouais. Mais ouais. On avait bien vu. François Regarde le mec, il trash talk et il a mis son de sa tête dessus. Il avait prévu. Énorme. Il avait tout prévu, incroyable. Non, c'est pas possible, tu lui as demandé de te demander, c'est incroyable. Ah, mais il a fait de la magie noire avant de venir ce soir. François, t'as compris? Tu l'as vu ou pas, la popée vaudou où il y a ma tête et qu'il a. Mais c'est oui. Pas une blague quand je disais ça. Waouh! Un sorcier! Incroyable! Il amène. Oh, ouais, regarde, il y a Steven qui nous montre quelque chose là sur le Twitch. Ah, mais c'est ça, il l'amène, je crois, non? Ouais, c'est ça. Allez, on la voit là. Ah, c'est quoi ça? On la voit plus jamais. La poupée vaudou. Ah ouais. Mais tu te rends compte que, et c'est à cause de lui que t'as mis deux réentrées hein, et t'as. C'est et ça. T'as... Oh l'œil quoi. Merde, il faut que je fasse quelque chose moi. Aussi. Mais c'est quoi ce truc du valet de off? J'avais dû défendre. Non, c'est une image de François défendu. J'avais trouvé ça un peu loose. Dernier skin go, mais j'étais pas dedans. Contre 2x de bouton, j'avais défendu valet de off. Allez, bonne pause à vous, méconnus, à tout à l'heure. Allez, bonne pause. Je ne défendrai plus jamais. Est-ce que tu étais content de venir participer à ce petit système Go qui l'a gardé? Ah, mais c'était génial. Et puis, ouais, j'ai adoré. En plus, avec Rosalie, Antoine, que je connais. François Paul, aussi. Que j'avais croisé aussi. François, il a une déco. Il a une déco, non, Tiff? C'était vraiment très sympa. C'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup apprécié. Voilà. Merci beaucoup, Kill la Girl. On te retrouvera très vite pour un prochain challenge. Yes. C'est un vrai plaisir. Merci et beaucoup. À la prochaine. Ça a été coupé. Merci à la commu aussi. Merci beaucoup. Ciao. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bah, je m'attends à ce qu'il n'ait pas trop de bluff de dispo ici. Hein. C'est ouais. Plus je réfléchissais à Valucine, c'est genre une main, soit je vais. Ouais, genre, enfin, en ICM. As Damas 10, je peux encore avoir des fois. Ouais, ouais. Je veux plus raise que Lim. Ouais, je me suis dit ça aussi. Pardon. Ouais, bah, si c'est un chip PV, je pense que je jam river, mais là, bon, ouais, ouais, si je check fold, moi je te pensais bien avec airballs, tu vois, avec un petit 5x avec un pig, un 5x, ouais. Et bon, après tu vas sûrement le 3 dans la loading, peut-être. Mais du coup, ah, c'est une belle turn, hein. c'est dommage. Ah ouais, c'était une belle turn pourtant. Bon, après, de manière sur aucune turn, je fold. Hein. Ouais. Les stacks ont bien changé là. Hein. 11 euros avec 15 blindes. Tu trolls ou pas? Parce que j'ai quand même pas été très deep de toute la partie. Si, je suis monté à 30 000 à un moment, c'est vrai que je suis en blinde, du coup, je vois pas trop. J'étais à 30 000 tout à l'heure, 35. Oula. Aïe! Ça fait quoi là, open, défense? Open, bet, check, bet, call. Ok, check. Ouh. Oh. Ouh, je pense qu'il y a... Je voyais mal qui fait tondu savoir autre chose qu'un œuf, peut-être, je me trompe. Ouais, moi aussi, je le voyais mal sans un œuf. Ici, j'allais dire, tu sais, s'il n'a pas un œuf, je me coupe un petit doigt. Regarde, là, ils sont chauds, les mecs du club poker. Hein. Ouais, ils sont chauds, ils s'envoient ils des se partages. Ils se tapent entre eux. Et maintenant qu'ils tankent... Maintenant, qu'est-ce sont... qu'il a fait là, un bon valet, un valet X à pique peut-être. Un bon valet, qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'as quand même. Et X-Moon qui a dame 10 de pique, il s'est dit YOLO. Ah, là, ah il monte le 9. J'ai... Il monte le 9. Ah, ça, un... ça... Je suis sympa, je te monte la bonne. Mais ça, c'est génial, chérie. Ça veut dire HU contre X-Moon normalement. Excusez-moi, il a chaud le 9 X-Moon? Oui, il a chaud le 9. Il a chaud le 9 X-Moon. Ok, merci. 9 de trèfle. Il a chaud le 9, ouais. C'est. Il l'aurait pas fait avec moi, ça. Il hein. Faut que j'réfléchisse à instaurer ça dans mes routines. Une petite poupée par jour, chaque jour. À
avec tous les top ranks de Wina. C'est ça. Tu commencerais par qui, François? Attends, je réfléchis deux secondes, on va faire ça. Mmh, bonne question, ça. Ouais. Oh, bah, je ferai tous les teams pro Wina d'abord. Et, ouais. Je suis obligé, je ne vais pas dire je fais quelqu'un d'autre. Luxis qui colle. J'ai bien flopé. Je vais pas folder. Stade de 8, tu peux check fold. J'avais As-10. J'avais As-10. C'est vrai? Oui. Et je jam pré-flop, tu fold, tu call? Ouais, je call si tu jam. Ouais. Ok. Bon. Ok, intéressant. As-10 suit? Non, As-10 off? Je sais même plus. Non, j'avais As-10 off. Ok, ok. Ouais. Je pense que tu peux jam bien loose, surtout quand il a overlim. Quoi. Bon, du coup, j'ai plus trop de jetons. Il va falloir y aller. T'aurais eu à suite, t'aurais fait tapis. Dame Valet Shoot aussi, je pense. Des trucs comme ça. Ah, je sais pas, comme X-Moon, il avait l'air de beaucoup vouloir me trap. Pas sur le limp. Le limp, je trouve que je suis un peu. Regarde-le, il prépare ses prochains limps, pas sur le limp. Non, parce que j'ai overlimp après Antoine. Quoi. Ouais, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait énormément de trappes, perso. Si je revois ma poupée, il y a un clip sur le forum, ok. Alors, tu as 2301 jetons. 2300. Bon, ça sent le triple up ou le... Oh, je suis vraiment un nid, hein. Elle est un 0 dessus pour toi, là. T'es sérieux, chérie? Bah oui. T'es en blanc, elle va... Pour que ça dure, pour le plaisir, pour le show. Non, on va y aller, hein. Mais je crois que je vais dire GG au gars. Hein. Ah, dommage. GG, François. Enfin, ça a bien marché, la poupée. Il faut que je montre la poupée, moi. Bah, GG à vous, hein. Good luck. Yes. C'était cool, en tout cas, on a bien rigolé. Ouais, carrément. Ouais, c'était cool. VGG champion. Merci pour ta participation. T'étais le champion en titre. T'es obligé de laisser ta couronne, mais t'étais le champion en titre. C'est vrai. Donc, tout à l'heure, je t'insulterai, mais là, je suis encore obligé de dire le champion, tu vois. Félicitations, en tout cas. Bravo, Onzorod. Merci beaucoup pour ta participation. Eh ben, merci pour l'invitation. Des participations. Elle a raison, Rosalie, elle a raison. Pas une fois, mais deux fois, le mec est revenu. J'espère que ça t'aura plu quand même. Bah ouais, c'était cool, ouais. C'est sympa de discuter. Et du coup, encore bon anniversaire à toi en avance, là. Merci, ma biche. J'espère qu'on fêtera ça à Vegas bientôt. Et puis, ouais, normalement, Vegas, c'est ouais, octobre-novembre, si tout se passe bien. Hop là, Valet 2. Oh, c'est une dédicace. Ah, il a dépendu en plus. Bah oui, c'est une dédicace. check, bête. Nickel. C'est bon. Bah merci, ouais, je vais vous laisser. Good luck à tous alors. Ça marche, merci. Et merci beaucoup, François. Et puis vraiment, j'ai hâte aussi d'organiser le challenge. C'est vraiment cool pour les joueurs du club poker, je pense, de pouvoir vibrer comme ça sur 100€. Merci aux pros de jouer le jeu, surtout parce que sans ça, c'est plus compliqué. Donc c'est cool, merci beaucoup. Non, les deux. Les deux, c'était important. Bravo en tout cas. Merci. Allez, ciao. Bisous à toi. Good luck. Bisous, François. Ciao. Au revoir. Ils sont agressifs, hein, ces joueurs occasionnels. Hein. Ils deviennent de plus en plus agressifs, hein, franchement. Je trouve que le niveau d'agressivité, là, cette dernière année, il est monté en puissance, vraiment, online. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'étais déjà agressif il y a 10 ans. Hein. Ouais. T'avais quoi, là, juste, par curiosité, t'avais quoi, là, sur Roi-Roi 2-4, du coup? Bon, j'ai le 2. T'avais le 2, ouais. J'ai pas intéressant de manière, je regarderai le replay, c'est toujours cool. La plupart du temps, je vais plutôt call que raise. Mais comme j'étais beaucoup raise, je me suis dit peut-être qu'à un moment, tu vas en avoir marre. Et... Ah oui, avec si, le j'ai un... si j'ai un roi ou un flush draw, je ne fold pas. Hein. T'as raison de prendre la bas du haut. On est deep. T'as envie de faire grossir. Et puis on est tous les deux deep par rapport à un type. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. J'aurais pu prendre ce spot en bluff aussi. Ouais, c'est exactement. Tu me crois, celui-là, tu le prends en bluff ou pas? C'est rare que je le prends. Ouais, ça peut arriver. Quand même. Mais ça peut arriver. Aïe, aïe, aïe. Allez, 2. Un 6 pour Tiff. Un 2 pour Split. Oh, allez, là. On est bien. J'ai entendu la tête. C'est bon, c'est reparti. Allez, c'est jamais fini. Allez, t'es foutu, X-Moon.
Oui. C'est qui le je sens que le run a tourné là. C'est moi, j'ai dit le 6 pour que Tiffy reste avec nous. On est bien tous. Merci Antoine, c'est cool. En fait, t'as pas fait de poupée vaudou d'Antoine et de. Tu as fait ton jus. Hein. Voilà, ça va devenir compliqué. Hein. Eh ben, j'ai pas. T'avais pas prévu. T'as peut-être le temps à la prochaine pause si on est encore là. Il faut que je change de photo. De son char. Non, elle a un Maine Coon qui est magnifique. Ouais, c'est joli ça. Avec plein de poils ça. Ouais, c'est ça. Il est énorme le chat en plus. Alors voilà. Elle va aller te le chercher. Non, mais bouge pas. Chat. Un gros chat, regarde. Et bah, GL, Tiff. Hein. GL, Tiff, Tondus, je vais reshove. Oh putain. Ouais, je vais pas, mais là, je suis peut-être devant en plus. Ah, t'aurais collé quoi. Non, je. Ah, si j'aurais joué, tu t'aurais payé en gros. Ouais. Ça m'offre, mais là, ça va les suiter. Un peu juste. Bon, bah, c'est une bonne main pour moi ça. Oh, ah, j'avais un cool. Un 2. Allez. Oui. Oh là là. T'avais un Svalé, X-Moon ? Svalé de trèfle. Ouais. Oh putain, t'aurais un beau flop. Hein. Ouais, beau flop et belle river. Par rapport à toi. Quoi. En fait, je pense que si tu flattes, je réchauffe. Mais le fait que tu chauves, t'as pas mal de. Et ouais. Ouais, je demande à Asdan à ce point. Ben, si je colle, en plus, j'aurais call all-in. Du coup, c'est moi qui aurais bosto. Mon chat est. Barrière et circus, principalement, quand même. Ah, Montmartre aussi. Quand on veut jouer. Ah oui, Montmartre aussi, ouais, j'avais oublié. Bon, ouais. Vrai, tu... ouais, moi, je jouais que dans les cercles qui n'existent plus. Pareil. La CF. C'est la team CM ici. Moi, je vais jouer à la Clichy. Ouais, à Clichy, Wagram, la CF. Quoi. Bon, en vrai, tu peux pas dire que ça n'existe plus, Clichy, c'est Montmartre. Non, non, enfin, si, ça existe, mais maintenant, c'est le CM. C'est pour pareil, moi, c'est ouais. CM. Et j'y suis pas retourné depuis qu'il y a eu les travaux autres, donc je sais pas du tout comment on sait. Ah, les murs ont changé, les gens ont changé, les tables ont changé, le sol a changé, il n'y a que le plafond qui n'a pas changé. Franchement, c'est quand même pas le même cercle. Bonne chance. C'est mieux, hein. C'est plus sympa maintenant. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Anas. Aïe, aïe, aïe. Oh c'est non. Fini. Putain. J'ai dit Antoine. Si. Yes, j'avoue. Bravo Antoine. Et eh ben tu te rends compte ouais. C'est les deux qualifiés qui se retrouvent en heads-up, c'est beau. C'est beau, hein. C'est tu vas tout dire, Rosalie, j'ai rien à rajouter. Ce sont voilà. Les deux qualifiés qui se retrouvent en heads-up. Bravo, Antoine, bravo, merci quand même beaucoup. Ouais, merci de ta présence, c'est vraiment très sympa. Bravo, Antoine, ouais, parce que... Tu vas dire que quand j'ai commencé de quoi ouais. J'ai passé une très bonne soirée, c'était avec plaisir, on a bien rigolé. J'espère. Et je reviendrai quand tu veux, Steven. C'était très cool, je savais okay. Sur quoi je cliquais. Un bon gars, un bon joueur en plus, donc c'était cool. Merci beaucoup, Antoine. Avec plaisir. C'était vraiment top. Et bravo Rosalie, du coup, t'attendais ton chéri. Ça y est, vous êtes libérés tous les deux. Hein. Je peux vous lâcher tranquille. Hein. On va se finir entre gens du CP, ok, tranquille. Tout à fait. Voilà. Un bisou à tout le CP. Merci pour vos commentaires hyper gentils. Même le chat était hyper bienveillant et sympathique ce soir. Merci à vous. Vraiment, ça fait très plaisir. J'ai passé une très bonne soirée. Merci Steven. Et on se voit à Vegas. J'ai le meilleur chat de la Terre. Il faut que tu le saches. Choucroutard qui te dit joli fair play de laisser les CPistes en HU. Merci à vous deux. C'est vraiment très, très gentil en effet. On va se partager le pognon. Et salut, bravo à vous. Salut Antoine. Salut GG les gars. GG et que le meilleur gagne. Vegas. Bisous. Good luck pour la suite. Allez, bisous. Hop. T'étais bien t'étais bien sur ton 9-7-2 ou quoi? J'ai le 7, backdoor quinte, backdoor flush. Mais comme tu mises vite, je pense que je te vois pas forcément avec le 9. Donc, c'est plus de la protection que de la value. Je vais te faire fault et je sais pas. Et dame 10, je sais pas ce que t'avais. Toutes les mains ont un peu j'avais 18, figure-toi. Bon, là, ouais, par contre, je crois que c'est peut-être le dernier coup, en fait. Ah, je pensais que je te voyais plus avec des over et good shot. Allez, le roi, quelque chose, là. Ah c'est... Le roi, ça me faisait même pas gagner, en fait. N'importe quoi. Bon, bon bah, c'est reparti. C'est reparti. Putain, qu'est-ce que j'ai mal joué ce soir. Je fais que chatter et je jouais vraiment trop tight, quoi. Et du coup, t'as appris quelques gestes, on va dire, médicaux ou...
Là, dans le mois, non. J'ai non. plus été en contact avec les patients. Et puis, j'étais plus là en tant qu'observateur. Hein. Mais j'ai eu des échanges très intéressants avec les patients. Et puis même avec les médecins. Alors, good luck à toi, je vais call le médecin. Allez, allez le roi, voilà, tout de suite. Allez, c'est la chatte ce soir, c'est la chatte. Oh là là. Ouais, donc, c'était un très bon mois. C'est un mois qui m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Maintenant, ça va être à moi un peu de relancer, quoi. Ah, t'as envie, hein. Je crois que tu n'aurais rien dit, j'aurais folle, mais le fait que tu dis ça, je pense que tu prends un spot avec un petit as. Genre as 5. Ah ouais. Je suis proche, là. T'as as 5, un truc comme ça. Ou roi 9. T'as pas une main qui peut call. Tu crois ? Je crois, ouais. D'ailleurs, t'es pas mal, toi, alors, ça veut dire. Bah, de toute façon, si tu peux pas call, moi peu importe la main que j'ai. Hein. Si tu peux pas call, tu peux pas call. Ok. Ah. Oh le carreau. Oh. J'aurais pu te faire un truc sale, quoi. 3 d'affilée, ça aurait été indécent. Mon chien qui a une prédit, vas-tu me finir avant la pause, quoi. Avant la pause, dans 8 minutes. Allez, trèfle. 10, 6, 8. Ah, dommage. Ah, t'aurais mérité le 8, là. La prédit, elle est juste sur le vainqueur, mon petit tif étendu. Ok. Et ça pourrait être avant la pause, comme demain matin, je suis pas pressé. T'as le roi, hein. Tu peux avoir ça, hein. T'as le roi et tu bêtes, ok. Tu me dis ça et tu bêtes. Bon. C'est toi qui as le roi, en fait. Oh, c'est vraiment spewy un peu, là. On va quand même vérifier, mais ouais. Bien joué. Merci. Sinon, je te vois pas trop sur le 8 game ou sur les autres jeux de variantes en général sur Winner, où je me trompe. Ah, alors non, enfin, j'ai pas mal joué au premier confinement. D'accord. Ça fait un an. Je sais très bien passé. Et. Attends, je réfléchis à mon temps. Et après, à partir de, je sais pas, on va dire août-septembre, j'ai enchaîner des mauvaises sessions, j'étais pas du tout mentalement apte à jouer. Et bon, souvent, on s'en rend compte bien tard. Donc, j'ai décidé de complètement stopper. Et j'ai fait que de la théorie. D'accord. T'as envie. Excuse-moi. J'ai envie de terre au call, mais j'ai peur que tu transformes une meilleure main que la mienne en bluff. Genre 6-4, un truc dans le genre. Possible. Parce que si t'as 6-4, t'es devant moi. Et... Bon, bah alors call. Tu limpes un as, non? Tu peux avoir le 2.
En fait, il y a trop de mains qui me battent, et comme j'ai envie de te call, c'est de comprendre pourquoi est-ce que j'ai envie de te call. Je n'arrive pas trop à voir les bluffs. 2, 1, 5, tu as fait quinte, tu as fait paire. Ah, bien joué. J'ai de la chance parce que j'ai voulu call, mais ça affole ma main. Ça affole ma main au moment où j'ai voulu call. Et tu gagnais, hein, j'ai autant roi. J'étais bien au-dessus. Et tu as été à Vegas déjà ? Jamais. J'ai jamais été à Vegas une seule fois. J'espère un jour. Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'avais rêvé que je gagnais le King Fab et je n'ai pas compris parce que je n'ai pas gagné. Merde. Bah écoute, mais... tu auras une meilleure équipe l'an prochain et tu gagneras. Voilà. Moi, j'étais jamais allé aussi loin. Et puis, on n'a pas perdu. Tu as fait le taf au moins ou pas ? Comment ? Tu as fait le taf ? Non, non, pas du tout. On était 5 avec Régis là, dans le chat et moi. On avait comme plan de tout faire, de tout gagner au HU et de laisser les 3 autres nous emmener à ce stade. Et bah, nous, on a respecté notre marché. On n'a rien fait jusqu'au HU. Et, mais les autres, ils n'ont pas respecté le leur. Et on a bust avant. Je vois. Du coup, bah, pas de King 5. On a pris les tickets quand même. 50 euros de tickets. C'était toujours ça. Et puis... Mais ouais, j'espère qu'un jour j'aurai le plaisir d'aller à Vegas. J'ai pas trop ah, ne me relance pas. Hein. Ah non, non. C'est difficile de prendre des jetons. Hein. Faudra venir les chercher. Les WIPT ouais. À l'époque. Bah, Clichy d'ailleurs. Ouais, exact. J'avais buzz contre Nicolas Lévy. C'est ma petite fierté. J'ai bust, mais j'ai perdu le flip, mais contre Nicolas Lévy. Donc ça va. Mais non, sinon, j'ai jamais fait les six mix, que ce soit Dublin, Lorraine Delmar, tout ça. Ça, j'ai jamais fait. J'aurais bien aimé, parce que j'adore le jeu Short and 10 en plus. Et donc, à part le WIPT que j'ai dû faire 2-3 fois, une fois j'ai tenté les qualifs, mais sinon j'ai dû le faire 2 ou 3 fois et j'ai buy-in direct. Ouais. Et j'ai dû faire un petit DM, mais. Ouais, pareil. Ouais, je crois que j'avais dû faire des 2 ou des 3, un truc comme ça. Allez, je reprends le lead. Trois de pique serait pas mal. Pas loin. Ça me fait un peu peur quand même, parce que c'est un 3, quoi, du coup. Donc, t'es pas. Ouais. Ah, salopard! M'en doute, au moment où tu dis ça. Mais bon, j'ai 2 paires, je vais pas folle et ni le rôle au cas où tu te valides cut. Mais... Tout le temps, le 3 à river, quoi. Pourquoi? Ouais, j'avoue que c'est assez sale. Donc, du coup, contrairement à tout ce que tout le monde pensait, même le dernier, la dernière manche, j'étais concentré. Il n'y avait pas un moyen, il n'y avait pas un moment où je me disais c'est bon, c'est fait, quoi. Ouais. Bah moi, normalement, j'aurais dû couper une manche, en fait, parce que j'étais au Luxembourg, mais ce jour-là, j'ai bougé en Allemagne, donc j'ai pu m'inscrire. Ouais, bah j'avais lu ça. Alors, je prends quelques secondes. À 99%, je vais call. Hein. Il n'y a pas un cas où je dois fold ici. Si tu as le 8 ou Roi-Dame, j'ai à toi. Mais j'ai check pour Indus aussi. Indus. Hein. Bah, pour pas de contrôle et Indus. Mais la doublette du 8 fait que maintenant, tu vas chauffer tous tes Rois 2, Rois 4. Du coup, je ne gagne plus contre ces mains-là. Si tu avais une dame, tu aurais check. Du coup, soit je bats les... Tu n'aurais pas de barrel avec les As-Valet, As-10 ? Je ne sais pas si j'ai... Non, c'est bon, j'ai un peu de time. Valet 9. Ah putain. Bon, je vais call. Pas quand même. Bien joué. GG. Bravo, bravo. C'est mérité.
je me suis bien fait défoncer là. Tu n'as pas fait prince euro, hein. Je voulais quand même réfléchir avant de te. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. GG à toi. Bravo à toi surtout. Bravo à toi. Merci. Bon, moi aussi, après, ça ne voit pas grand chose, de toute façon. Comme souvent dans le poker, comme dans la vie. On va finir sur une petite note philosophique. Il ne faut rien lâcher. Incroyable. On a le premier et le deuxième au classement qui se retrouvent premier et deuxième de la finale et qui nous ont fait un putain de spectacle. En plus, vous étiez là en mode « Bon, c'est toi qui fais le café ? Attends, moi j'ai ramené chocolat, chérie, tapis. Vas-y, fold. » C'était juste quand même magnifique. Je crois que vous avez bien fait kiffer dans le chat. Bravo. Ouais, le GG qui débarque dans le chat, là, sont archi mérités. Ouais. À quand une masterclass, X-Moon, nous demande Manu Bamber. C'est vrai, ça ? Ah, c'est clair. Merci, c'est cool. Non, mais parlons... X-Moon, parlons deux secondes. On va parler deux secondes avec Tiff et Tondu aussi. Oui. On l'a un petit peu vu mardi. Parlons deux secondes avec toi, X-Moon. Il n'y a personne qui a roulé sur ce challenge comme tu as roulé sur ce challenge depuis que j'ai créé ce challenge. Je n'ai rien inventé non plus, mais on est toujours un peu le même nombre de joueurs et tout. Il n'y a jamais personne qui a été aussi fort. Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que tu as chaté ? Est-ce que tu es bon ? Est-ce que tu t'es hyper motivé ? C'était quoi tes secrets ? J'imagine un peu de tout. Un peu de tout ça. Non, j'ai Run Good, forcément. Hein. Après, quand on run good, c'est facile de se dire qu'on a bien joué, hein, forcément. Mais je pense que j'ai eu les bons spots. J'ai eu quelques beaux bluffs, quelques belles lectures et surtout les confrontations importantes. Hein, et les coups, voilà, c'est bien passé. Et puis, on est resté concentré. Je suis assez content. J'ai essayé d'être le maximum focus. Comme si je jouais les WSOP, pareil. Pourtant, c'était des 1 ou 2 euros, hein, mais pareil. Il a dit Jérôme Good. Je ne regardais même pas l'argent, mais juste par rapport au point, j'ai fait des folles pour 1,10€. C'était peut-être mauvais d'ailleurs. Mais non, j'étais hyper, hyper concentré. J'avais vraiment envie de faire quelque chose. Le truc, c'est que moi, tu vois, j'ai le sentiment d'avoir Run Good une fois parce qu'à un moment donné, j'ai fait la bulle et du coup, j'ai pris les 100 points bonus de la bulle. Pour moi, c'était le Run Good. Mais toi, t'en as gagné combien ? J'ai fait le topo, je m'en souviens même plus. Hein. Franchement, bah, t'as gagné les deux derniers. T'en avais gagné peut-être deux ou trois avant, des non-limit hold'em, des variantes. Il y a un truc, je sais pas, dis-moi quelque chose. Nous, on te croit pas dans le chat. Hein. Le côté juge Run Good, on te croit pas. Hein. Alors, le hold'em et PLO, ça fait quand même longtemps que je joue. J'espère que j'ai quand même un certain edge sur un field varié. Après, je suis loin d'être le meilleur, hein. on s'en doute bien, mais je pense que j'ai quand même un peu d'expérience. Par contre, toutes les variantes, ce que vous savez pas, c'est que le premier challenge, quelle que soit la variante, une heure avant, je regardais les règles. Je regardais une vidéo d'Alex Luneau et une fois sur deux, parfois je me trompais avec le raz où t'as le droit de faire une quinte avec l'as. Parfois, une fois j'ai fold le jeu max parce que pour moi c'était comme le Dust to Seven. Donc, mais j'ai quand même regardé des replays de table finale de Horse avec des pros alors que je connais rien, mais juste pour m'inspirer. Et puis voilà, après, moi j'aime bien. Je crois que je suis un bluffeur dans l'âme, donc j'aime bien les. Même le raz, on peut bluff. Même le stud, hein, j'en ai quelques-uns, j'aurais dû les enregistrer, c'était joli. Mais donc j'aime bien ça. J'aime bien le jeu de. Je sais que tu sais que je sais. Les ranges perçus, tout ça, c'est ça qui me plaît. Ouais. Après. Ça a l'air facile quand on t'écoute. Je peux te demander juste deux questions. T'as quel âge et surtout depuis combien de temps tu joues au poker en fait ? J'ai 34 ans et je joue. Non, 43, je confonds, j'inverse toujours les deux. À chaque fois, on était pas loin, j'étais là, il se fout de ma gueule. Là. Attends. 43. J'ai 43. Au hold'em, j'ai commencé 2007-2008, quand il y avait, je crois que c'est le World Poker Tour sur Canal avec Patrick. Donc c'est là où je suis tombé amoureux du hold'em. Mais sinon, déjà dans les années 90, quand j'avais 12 ans, je jouais au poker fermé avec mes potes, où on jouait presque jusqu'à 35 centimes dans la soirée. Et j'étais déjà un agressif. Et bluffer, ça, je pense qu'on l'a en soi ou on ne l'a pas. Donc, j'étais déjà comme ça. Mais en tout cas, il y a Gouli dans le chat qui nous dit « Il kiffe, c'est ça le secret. » C'est vrai que tu as l'air de kiffer quand même. Et ça, c'est plaisant parce que tu le dis, j'ai commencé en 2003. Allô, c'était à 20 ans quand même. Et tu aimes toujours ce jeu, quoi. Ouais, mais c'est ça. Je kiffe, mais vraiment, quoi. C'est un gros plaisir. Et puis, alors sans entrer dans les détails, sinon on va y rester 2 heures. Je vais vous faire chier. Mais le poker, pour moi, c'est... très philosophique, c'est un peu comme la vie, quoi. C'est le mélange des émotions, l'analyse, le comportement, la stratégie, tout quoi. Accepter l'injustice, accepter la chance, ne pas être résultant en tête du résultat, enfin plein de choses comme ça. Et si tu peux pas lâcher, te battre, c'est voilà.
Donc, si tu peux attraper ton train à la dernière seconde, trouve un billet de 5 euros par terre, le soir même, tu lances une table, ça commence comme ça, quoi. C'est ça le Ron Good Alex Moon. Voilà, il faut essayer de positiver, relativiser et kiffer le moment présent. Et voilà. T'as bien raison. Il faut apprendre à les aimer. X-Moon, il y a un moment que t'as bien kiffé, je crois, c'était ce heads up contre ton adversaire, parce que je vais laisser la parole à ton adversaire. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais que tu me donnes un mot sur ton adversaire. Et pas forcément que pour ce soir, la Tiff étendue, l'homme qui n'arrive pas à allumer une lumière pour qu'on voit son visage correctement. l'homme qui a terminé deuxième et qui t'a posé pas mal de problèmes, je crois, qui a fait que tu t'es motivé pour rester premier finalement, X-Moon. Alors, complètement, mais à 200%. Hein. C'est autant grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Parce que, bon, déjà, j'avais envie de perfer. J'ai kiffé hein, les autres challenges, voir YouBet, tout le monde à table. Et puis, bah, comme tout le monde, quand tu aimes ce jeu, tu as envie de jouer avec des pros, etc. Donc, j'avais envie de me retrouver à leur place. Je trouve que c'était. J'ai kiffé les regarder. J'ai encore plus kiffé être assis. Et Tiff. C'est le ressenti, hein, mais le fait qu'il fasse une grosse perf le deuxième soir, j'ai senti qu'il y avait un challenger et ça m'a motivé à gratter des points, à pas spew, ou en tout cas le moins possible. Voilà, donc ça m'a énormément motivé. Bah écoute, bravo à toi. Moi, je suis admiratif, X-Moon, parce que bah, du coup, les challenges, je ne vais pas dire que j'en fais depuis 20 ans, mais c'est mon quatrième. Et celui-ci, tu l'as vraiment déroulé. Pour en plus y participer, je sais à quel point c'est dur. Il y a des fois, je n'ai pas envie de jouer ce putain de stud ou ce putain de stud. I love it. Il faut quand même le faire, tu vois. Et à chaque fois, bah, toi, tu arrives à être, je ne sais pas, ITM ou TF. Et c'est costaud, quoi. Bravo, bravo, parce que c'est costaud. Moi, j'avais de la chance, hein. Enfin, comme beaucoup, mais à part les rendez-vous du mardi, du samedi soir, ça faisait un moment que je me faisais royalement chier, quand même. Confinement, je suis seul. Moi, ça m'a égayé. Ça m'a fait vachement, vachement bien. Bah, ça m'a fait du bien aussi de m'avoir avec vous. Et ça me fait du bien de savoir que ça vous a fait du bien aussi. Et du coup, j'en profite juste pour donner la parole à ton adversaire du soir. Mon cher Tiff étendu. Alors, je ne sais pas comment t'appeler, Tiff étendu, Rainbow Board. Peut-être que tu as un prénom. Félix. Ouais, il l'a dit tout à l'heure. Félix, deuxième. Est-ce que toute ta vie, tu es deuxième ou comment ça marche? Tu es content quand même? Non, ouais, bien sûr, je suis très content. Surtout que. Ça prouve qu'au poker, on peut vraiment. Enfin, ouais, je suis pas. Enfin, j'ai vraiment mal joué, je trouve, sur cette table. Et pourtant, bah, voilà, on peut finir deuxième. Donc, bon, déçu des pros aussi là. Ils ont fait quoi là? C'est vrai que Mustapha, premier sortant, bah, lors du premier, parce que toi, t'étais pas là, mais lors du tout premier challenge qu'on a fait, la finale, il y avait Romain Lewis et Guillaume Diaz, ils ont fait 7e et 8e. Voilà. Il y a eu un petit peu de mieux aujourd'hui. Mais non, mais te retrouver face à X-Moon, j'ai l'impression que c'était l'histoire de ton mois, ouais, l'histoire de ce challenge numéro 4 pour toi. Bah écoute, ouais, c'était vraiment le but. Hein. Je trouve que moi, c'est pareil. Enfin, sauf que moi, j'étais peut-être un peu moins déterminé, si tu veux, à faire. Ce challenge, en fait, j'ai vu ça un peu par hasard. Donc, je me suis dit, bon, on va jouer la manche 0. Puis la manche 0, où il n'y avait que les ITM qui marquaient des points. Bon, bah, j'ai ITM tous les tournois et je me suis retrouvé en tête. Donc, je me suis dit que, bon, bah, on allait continuer un peu. Et c'est vrai que le fait qu'X-Moon, bah, il perf comme ça, bah, moi, ça m'a aussi un peu tiré. Et je pense que, comme je disais dans un message... Enfin, c'est surtout grâce à lui en fait que je suis second parce que je pense que ouais, je me serais pas accroché autant s'il y avait pas quelqu'un qui était performant comme ça régulièrement. Et ouais, donc du coup il m'a un peu titillé et puis bah, j'ai mangé un peu comme les autres. Hein. Mais c'était bien sympa et puis moi je te remercie de faire des challenges comme ça avec notamment des variantes. Je trouve que c'est top. C'est la vie les variantes. Ouais, ouais, clairement. Et que, moi, malheureusement, j'ai une connexion de SUV qui est tellement pourrie que je pouvais même pas la regarder le Twitch en même temps, ni rien, ni les messages. Mais les peu de fois où j'ai pu te voir, si tu veux, animer la chose, vraiment bravo, tu fais ça très bien. Et vraiment, merci pour ce challenge. Et bon anniversaire encore, du coup. Et puis, salut à tous les CP. Je voulais revenir avec toi sur ce petit message que tu as laissé là récemment, que j'ai beaucoup aimé. Il a une façon d'écrire. Si vous n'avez pas été lire ce message sur le forum, allez-y. Beaucoup de petits pics à droite, à gauche. Beaucoup de petits pics pour le field, globalement. J'aimerais juste que... Alors, pas que tu craches sur le field. Enfin, d'ailleurs, tu fais ce que tu veux. Mais que tu me parles de ce field, de ce challenge. Qu'est-ce que tu en as pensé, globalement, des gens qui jouent ce tournoi? Il n'y a que de l'argent mort? Bah, moi, je...
Ah non, il n'y a pas que de l'argent en or, mais je trouve avant tout que c'est une ambiance très conviviale. Et non, justement, je pense qu'il y a tous les. Il y a un peu tous les profils et c'est ça. C'est ce qui est bon en fait. Je trouve qu'il y a des gens très compétents sur certaines variantes où on a limite, comme X-Moon d'ailleurs. Le fil du CP au top, hein, franchement, il n'y a rien à dire. L'essentiel, c'est de s'amuser, on va dire, de toute façon, sur ces challenges. Et je pense que il n'y a pas de rageux, il n'y a pas de choses comme ça. Et moi, mes messages, bien sûr, c'est du second degré, hein, les gens. Hein, faut pas... Bien sûr, évidemment. Non, évidemment. Et puis, non, il n'y a pas de rageux, il n'y a pas de tout ça. Pourquoi ? Parce que moi, je suis casse-couille et que je n'aime pas les rageux. Et qu'en plus, j'ai une équipe en or avec des épées derrière et qu'il ne faut pas faire chier. Hein. Gros bisous, Chocotard, Regat, Gouli, j'ai oublié personne. Et JPL, bien sûr. Mais c'est cool que vous soyez là, vous, surtout. Et c'est cool que vous imposiez un niveau comme ça. Parce qu'autant vous dire, j'étais pas spécialement sûr de vouloir en faire un challenge. Mais en fait, vous mettez la barre juste beaucoup trop haut. Que je crois qu'avec Webmaster, on va juste pas pouvoir s'arrêter là comme ça sur ce dernier challenge. Voilà, donc on verra. Je dis pas que j'en lancerai un demain, mais vous m'avez chauffé de ouf pour en lancer un. Bravo, merci. Merci, merci. C'était cool, hein. Merci à toi en tout cas. Ben c'est beau. Et puis, hey, les mecs, on prend un beau billet. Hein. 500 balles quasiment pour toi. X-Moon, 300 quasiment pour toi. Et en plus, si je dis pas de conneries, vous avez pas rien de tri. Ah si, toi, peut-être t'as rien de tri, tu fais ton dû. Félix, t'as rien de tri toi ce soir? On a perdu Félix. Bon, pas te mentir, ils font du bien ces 500 euros. Oui, tu vois, on les prend, franchement, X-Moon, avant l'été, si tu regardes mon compte en banque, je peux te dire que oui, tu les prends. T'es bien content. Et le ticket bonus du Choucroutard, il sait de quoi il parle. Hein. Il te reste un petit ticket à 100 balles, c'est ça en plus. Et en plus, du coup, on va se faire plaisir. Le chat. Ça y est, on retrouve, on retrouve des bribes. Peut-être dans un prochain challenge. On retrouve des bribes. Ah, ça y est, je suis en train de revenir. Ah, t'es en train de ressauter, revenir, etc. Non, mais écoute, on t'a entendu, c'est très bien. Les mecs sont refaits, c'est cool, dit Botman. C'est le plan, les gars. C'est que moi, je vous organise des petits tournois à 2 balles, plus 2, plus 1. Ok, ça fait 5 balles la soirée. Si vous êtes nul, vous verrez rien de tri ou pas de chance et ça fait 10 balles la soirée. Mais globalement, c'est quand même pas très cher. Il y a un petit billet sympa à la gagne, quoi. Le petit mauve que X-Moon il a pris ce soir et quand il se lèvera demain sur sa bankroll, bah, je pense qu'on est vraiment, on est beaucoup à. On aimerait bien l'avoir ce petit billet, donc bravo à toi. Bravo à toi. Il a des monnaies, en fait, c'était les pros. Hein. Merci les gars. Ouais, c'est vrai. Et disons qu'il a rendu l'argent qu'il avait gagné la dernière fois, notamment on the road. Voilà. Il avait pris 400, non, il avait pris 500 ou 600, je sais pas, et 580, je crois. Et il a redonné 300 ce soir. Ouais, écoute, on prend. Hein. Ouais, c'était cool qu'il soit là. On prend. Hein. Je ne sais pas qui seront les prochains, mais. J'ai fait à l'international maintenant. C'est cool, ça va être. C'était cool. Bah merci messieurs, je vais pas vous embêter plus longtemps. Minuit 26, on est encore 100 à Starcy. Vous nous avez offert un très beau spectacle. Celui qui est tout en haut, il a gagné 500 balles ce soir. Celui qui est juste là, il a gagné 300 balles ce soir. Et accessoirement, ils ont gagné beaucoup de crédits et beaucoup de sympathie. Merci à vous. C'était un plaisir de voir vos têtes. Bon, X-Moon, je connaissais la tienne déjà, mais c'est un plaisir de la revoir quand même et de la présenter à tout le monde. Et puis j'espère qu'on vous reverra sur un prochain challenge, les gars, quand même. Avec plaisir. De toute façon, moi je serai là. Avec plaisir. Merci à vous tous. Ça marche. Gros bisous, messieurs. Merci, Steven. Gros bisous. Embrasse. Salut à tout le monde. Je vous donne rendez-vous dans le chat tout de suite, au pire. Et voilà. On embrasse le chat. On remercie encore nos deux finalistes, X-Moon, le vainqueur. Et tu fais ton dû, le deuxième. Gros bisous, l'ami. Bravo, ciao, bye. Bravo.